بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 5 sur le cours des calculs vectoriels niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Soit la figure suivante. Vous avez ici deux droites delta et delta prime qui sont parallèles. Vous avez ici le point A, ici le point B, ici le point I. Vous avez ici le point E, ici F, ici M, N, puis le point P. Et faites attention, il y a des segments ici qui sont isométriques. Vous voyez le symbole de l'isométrie. Maintenant, à partir de cette figure, vous allez compléter par le nombre qui convient. Vous allez mettre ici le nombre qui convient dans chaque égalité. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez compléter par le nombre qui convient dans chacune de ces égalités. Je vous attends. Ça y est, on peut commencer. Allez-y. Réponse. Complétant. Par le nombre qui convient. Et on va commencer par le vecteur AI qui est égal des pointillés le vecteur AB. Alors, quel est le nombre qu'on va mettre ici? Regarde bien la figure, tu peux deviner le nombre qu'on va mettre. Je vais zoomer cette figure si vous voulez bien. Vous avez les points A, B et I. Donc, quelle est la relation entre le vecteur AI et le vecteur AB? Oui, le vecteur AI, c'est deux fois le vecteur AB. Vous voyez ici, B est le milieu du segment AI. Donc, le vecteur AI est égal à deux fois le vecteur AB. Je vais écrire ça. 2. 2, c'est le nombre qui convient. Maintenant, le vecteur ME avec le vecteur AB. Vous avez ici le vecteur AB, ici vous avez le vecteur ME. Que peut-on dire de leur sens? Oui, leurs sens sont opposés, donc le nombre qu'on va mettre est négatif. Alors, quelle est la relation entre le vecteur ME et le vecteur AB? Oui, c'est ME est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Donc je vais écrire ici moins 2. Donc, je vais effacer ces deux vecteurs. Passons à l'autre cas. FP est égal des pointillés le vecteur AB. FP, je vais chercher FP ici. Ça, c'est mon vecteur FP. Et ça, c'est mon vecteur AB. Et alors, regarde. Que peut-on dire de leur sens? Oui, ils ont le même sens. Donc, le nombre sera positif. Regarde, la distance FP est égale à combien la distance AB? Oui, c'est 4 fois la distance AB. Vous voyez? 1, 2, 3. Non, c'est 3 fois la distance AB, je m'excuse. 1, 2, 3. Donc la distance FP, c'est 3 fois la distance AB. Donc le nombre qu'on va mettre, oui, c'est 3. Et je passe. Le vecteur MN est égal à 2, les pointillés, ici EP. Le vecteur EP.
Je vais tracer ces deux vecteurs ici. Mn, ça c'est mon vecteur Mn. Je vais tracer en rouge. Ça c'est mon vecteur Mn. Le vecteur EP, je vais le tracer avec une autre couleur pour que les deux couleurs ne se mélangent pas. EP. Comme vous voyez ici, les deux vecteurs ont le même sens. Donc le nombre sera positif. Maintenant, je vois la distance MN par rapport à la distance EP. Vous voyez que la distance EP, c'est 4 fois la distance MN. Donc la distance MN, c'est le 1 quart de la distance EP. Je répète, la distance MN est le 1 quart de la distance EP. Donc, quel est le nombre qu'on va mettre? Oui, ça sera 1 sur 4. Le vecteur MN est égal à 1 sur 4 fois le vecteur EP. Passons à l'autre égalité. FP et AI. FP est égal à des pointillés, ici AI. Je vais chercher ces deux vecteurs ici. FP, c'est ce vecteur-là. Voilà. AI, c'est ce vecteur-là. Alors, que peut-on dire de leur sens? Oui, le sens de ces deux vecteurs est le même, n'est-ce pas? Maintenant, la distance. La distance FP est égale à combien de fois la distance AI? Regarde bien la figure. Oui, la distance FP, c'est 1,5 la distance AI. C'est 3,5 fois la distance AI. Vous voyez ici, il y a 3 segments qui sont isométriques. Ici, il y a 2. Donc, la distance FP, c'est 3,5 la distance AI. N'est-ce pas? Donc, quel est le nombre qu'on va mettre ici? Oui, ce sera 3,5. Maintenant, je passe à la dernière question. Le vecteur EF est égal des pointillés. Le vecteur IA. Je retourne à ma figure. J'efface ces deux vecteurs. Je cherche mon vecteur EF. C'est celui-là. EF. Le vecteur IA, c'est celui-là. Que peut-on dire de leur sens? Oui. Ils n'ont pas le même sens. Ils ont deux sens opposés, n'est-ce pas? Donc le nombre sera comment? Oui, sera négatif, n'est-ce pas? Et vous voyez la distance EF est égale à combien de fois la distance AI? Ou bien IA? Oui, c'est la moitié de la distance IA. La distance EF, c'est la moitié de la distance IA. Alors, quel est le nombre qu'on va mettre? Oui, ce sera moins 1,5. La moitié, c'est 1,5, puisque le nombre est négatif, donc on marque moins 1,5. Et comme vous voyez, à partir de cette figure, on a pu, bien sûr, compléter ces égalités facilement, en se basant sur le sens, la direction et la norme. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. A très bientôt.